m'appelle Mélina Monteillé. Et moi, c'est Camille. Nous sommes vigneronnes sur le territoire de Vinsobres. Notre exploitation est le domaine de Montine et ça se situe à Grignan. Nous avons toujours été en polyculture jusqu'à maintenant. Et c'est du coup en 1987 que mon papa et mon oncle ont créé le domaine de Montine pour devenir vigneron indépendant. Aujourd'hui, nous travaillons sur 80 hectares de vignes, 20 hectares de lavande, 5 hectares de chênes truffiers et nous avons un petit hôtel et un restaurant éphémère. Nous travaillons 5 hectares sur le territoire de Vinsobres, sur le plan de Chéhémen, un superbe terroir sur lequel nous faisons une cuvée à base de 80% de grenache et 20% de syrah. Avec une très jolie fraîcheur, nous faisons des macérations plutôt longues et ensuite nous faisons un élevage en barrique d'un an. Effectivement, le terroir est exposé sud-est, donc sur les collines de Vinsobres et à 400 mètres d'altitude, ce qui nous apporte effectivement cette belle fraîcheur. Aujourd'hui, nous sommes certifiés HVE depuis 2017 et nous sommes en conversion biologique pour le millésime 2024. C'est un beau cru avec une belle fraîcheur grâce à son altitude. Et ça nous permet de travailler la grenache sur un profil complètement différent sur les autres crus méridionaux.